Hello, bonjour, dames et messieurs. Bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici. Et d'ailleurs, vous êtes bel et bien dans votre émission préférée, Fafa, l'émission locomotive des buzz en Côte d'Ivoire. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge Defalé, la légende, en compagnie de la charmante, la célébrissime Yumi, la muse, vêtue de tout noir aujourd'hui. Bonjour, Yumi. Bonjour, Defalé. Bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Superbement bien habillé aujourd'hui. Merci. Ah bon, j'espère que... C'est le glamour, c'est le gala. Voilà, voilà. Ouais, c'est chic. En tout cas, c'est chic, strass, paillettes et tout, ça brille. Bien ça évidemment. C'est top. Alors aujourd'hui, nous allons recevoir un artiste, un jeune pétri des talents. Il fait partie de la nouvelle génération de coupés décalés, des jeunes qui ont envoyé des nouveaux concepts de danse et apporté leur pierre à l'édifice avec leur style à eux assez particulier. Ils courent beaucoup avec le beat, ils ont accéléré le beat depuis notre temps. Aujourd'hui, ils sont à, je ne sais pas si c'est un BPM de combien de 1000 à l'heure. En tout cas, eux, ils courent. Alors, parmi ces coureurs, il est aussi l'un des plus talentueux, avec des bons pas de danse, très très bon danseur et très scénique. Il avale la scène comme ce n'est pas permis lors de ses prestations. Il est le concepteur de la danse Kabato. Dames et messieurs, nous recevons AB le Superman. Bonjour à moi. Bienvenue à toi. Merci, merci. Donc, c'est toi qui as fait disparaître Superman, alors? Non, je suis Superman. Donc, ah, mais le Superman, là. Le vrai Superman. Donc, c'est toi qui es l'original. Bon, moi aussi, l'original. Mmh. Ah ouais, AB, le Superman. Alors, AB, marié, célibataire? Célibataire. Célibataire? Ouais, pourquoi? Parce que c'est un choix. C'est un choix? Ouais. Tu n'as pas encore trouvé ta cote? Ouais, pas que je n'ai pas trouvé, mais je ne suis pas encore prêt. Tu n'es pas encore prêt. Donc, tu veux faire de chasteté, alors? Bon, chasteté, je dirais pas ça, hein. Ah, donc toi, tu fais les coups d'un soir? Non, pourquoi? Il y a forcément... Mais t'es dans le mouvement, ne mourons pas. Non, il y a des gens qui sont là, mais forcément, peut-être qu'ils ont la même mentalité que moi, la même vision que moi. En ce moment, c'est-à-dire, quelle est ta vision? Tu es jeune, tu es beau, tu es chic. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas en couple, mais qui n'ont pas envie d'être chaste. Attends, elles veulent pas de relation, mais elles veulent pas être chaste. Mais là, on parle de toi, on ne parle pas de ces femmes-là. Ouais, mais c'est... quand vous avez la même vision, vous mettez ensemble. Donc là, tu es avec quelqu'un sans être avec quelqu'un. Peut-être souvent ça comme ça. Donc vous êtes un mouvement de la... Vous êtes dans l'allée, quoi. Elle a ses ambitions, j'ai mes ambitions, elle a ses projets, mes projets. Et puis on avance ensemble, chacun de ses côtés. Et puis vous dormez dans le même lit sans elle-même. Non, vis pas ensemble, je suis célibataire, je vis seul. Elle a ses ambitions, elle a ses projets. Pourquoi la façon que tu as... Jeanne, tu veux pas qu'elle vienne vivre avec toi, quoi? Non, mais c'est pas la priorité, justement, parce qu'on n'est pas prêt. Voilà, donc, même si vous n'êtes pas prêt, c'est tant qu'elle vient, elle laisse pas un truc, peut-être déjà un talon. Ou non, mais elle paye un soutien. Aussi. Et puis après, c'est pas. Payez-vous. Ah, il y a des endroits où peut-être faire des sorties une fois par mois. Voilà, on ne fait pas ça tout le temps, on est concentré. Vous ne faites pas quoi tout le temps? Ça, si on ne se voit pas tout le temps. Mmh. Okay. D'accord. Alors, AB le Superman, d'où te vient l'amour pour la musique? Je pense que l'amour pour la musique, ça vient naturellement. Hein. D'accord. Naturellement, quand il entend la musique, il s'est excité, il a envie de chanter. Et puis, il reproduisait facilement assez la musique. Bonne capacité de rétention. Quand il entend une musique, en même temps, ça reste. Alors, mais tu commences quoi? En tant que danseur? Non, non. Je commence en tant qu'animateur dans un maquis de la place dans le temps. Il était petit, peut-être avec 12, 13 ans comme ça. 12, 13 ans? Ouais, un maquis de la place au quartier. Et tu commences en tant qu'animateur d'abord? À Talakou, à Talakou. Il y a un vieux père qui m'a repéré, il dit petit, il chante bien à Talakou, à Talakou. Et puis, c'est comme ça que ça part. Et là, ton premier titre, tu le sors quand? Si c'est pas 2012, 2013 dans le temps, mais c'était une maquette comme ça. D'accord, voilà. Tu tournais un peu avec? Non, non, même pas. À ce moment, c'était pas une carrière d'artiste même. C'était juste un kiff. Comme ça, pour voir un peu, parce que chanter dans la maquille et puis chanter au studio, c'était pas pareil. C'est pas pareil. Donc, c'est avec le concept Kabato que tu démarres? Non, non. J'ai beaucoup, beaucoup de sons avant le concept Kabato. Je pense que Kabato, c'est mon septième clip. Ah, c'est ton septième clip. Ouais. Alors, mais pourquoi c'est à travers le Kabato que, on va dire, que tu as explosé pratiquement? Justement parce que la gloire vient de Dieu. Mm-hmm. Voilà, tu peux faire ce que tu sais faire de mieux et puis... c'est la gloire qui vient de Dieu. Alors, mais il y a un artiste que je connais aussi très bien, du nom de Kamso Dola, qui t'accuse d'avoir volé sa danse du Kabato. Qu'est-ce que tu as répondu? Après, il dit ce qu'il veut, mais les faits sont là. Sa danse et ma danse ne sont pas pareilles. Donc, il ne peut pas dire qu'il a volé sa danse. Ah bon? C'est pas pareil. Bon, déjà, ce n'est pas ta danse, c'est ton danseur qui l'a créé. Voilà, donc, donner à César ce qui appartient à César. Moi, je l'ai dit sur le plateau, c'est lui le créateur, mais. C'est moi danseur, c'est moi qui ai fait la chanson et puis... Mis en valeur. Sinon, comme ce de là, c'est pas la même part des danses. Vous pouvez voir son clip, vous pouvez voir mon clip. C'est pas pareil. C'est juste le nom, le mot Kabato qui l'a Oui,
Donc c'est ça. Mais entre toi et lui, qui a dit le nom Kabato en premier sur sa danse? C'est justement, c'est lui qui a dit le nom Kabato. Après, son son est sorti avant mon son. Mais avant lui aussi, il y a des gens qui ont chanté Kabato. Hein. Mais non, si lui l'a sorti avant toi, en ton normal, c'est lui à qui revient... Le nom Kabato, là. Bien sûr. Mais Kabato, même à la base, c'est pas une danse, c'est une nourriture. Donc, on ne peut pas... Pourquoi donc, tu moi, refuses d'admettre ça jusqu'aujourd'hui? Je ne comprends pas. Non, mais parce que les danses ne sont pas pareilles. C'est là, on parle de la danse ou on parle de Kabato? Bon, parce qu'il y a le nom. Voilà, justement. Et puis, il y a la danse. Voilà. Bon, lui, il dit que toi, tu as volé sa danse carrément. Il n'a pas dit que tu as volé le nom de sa danse. Non, c'est la danse, c'est qu'on laisse tomber. Ce n'est pas la même danse. Ça veut pas être sa danse. Ah, l'année dernière, tu as été promu du meilleur fit. Bon, qui du meilleur fit? Analysez bien la chose. S'il n'y avait pas eu ce fit, tu n'aurais pas eu ce prix. Après aussi, on dit prix du meilleur fit. C'est un fit, donc c'est un fit qu'on met là-bas. Non, ce que je veux te dire, c'est que c'est parce que tu as eu un feat à faire avec Safari qui a eu vraiment explosé. Mais tu n'as pas dominé que dans cette catégorie. Excuse-moi, mais c'est là-bas que tu as eu le prix. Donc, les autres où tu n'avais pas fait feat, tu n'as pas eu prix. C'est où tu as eu le feat que tu as eu prix. Mais il était nominé là-bas. C'est que, mon c'est frère, que, c'est ça veut dire que... Non, non, s'il te plaît, la lumière de Safari, donc ta musique en faisant le feat avec lui, t'a permis d'avoir ce prix. C'est pas ignoré. Donc sans lui, franchement, il n'y avait pas un travail qui avait été fait. C'est évident parce que c'est un grand frère qui vient de donner la force à son petit frère. C'est normal. C'est normal que, justement, il m'a apporté un plus. Quels sont vos rapports aujourd'hui? Toujours bon, toujours bon. Ça ne m'a pas mouvoir. Ouais. D'accord. Pourquoi est-ce que tu dis que les producteurs ne veulent pas produire des artistes du Coupé de Calais? Ils ont peur de produire des artistes du Coupé de Calais. Est-ce que c'est parce que vous ne travaillez pas? Non, si c'est le travail, il n'y a pas quelqu'un qui travaille que nous. Parce qu'on est seul à tout faire. Donc, on est les plus bosseurs, ça c'est sûr. Vous êtes les plus bosseurs, vous les artistes du Coupé de Calais. Les artistes du Coupé de Calais sont tout presque en autoproduction. L'autoproduction demande 4 fois, 10 fois plus même de travail. Hein. Donc, c'est parce qu'on est bosseurs qu'on est dédain et puis on a... ce niveau-là dans l'autoproduction. Dans le rap ivoire, eux, ils ne bossent pas, ils n'ont pas de producteur. La majorité des artistes du rap ivoire aujourd'hui s'autoproduisent. Donc quand tu dis que les artistes du Coupé, oui. Non, je ne sais pas sûr. Ah bon? La majorité sont produits, on sait voir, on sait ça. Mais non. Ah, la majorité ont des producteurs. Ouais, ouais, la plupart. Ok. Presque tous, hein, presque tous même. Comme qui? Qui a un producteur par exemple? Le champion à titre même là, il a produit dans une maison de prod. Didi Ben, c'est une maison de prod, c'est pas une maison de prod. Je ne sais pas à qui encore. Tous jeunes maisons de prod. Mais avant. Sur des Dior, tout ça. Ouais, tous jeunes maisons de prod. Avant mais, de l'être, ils s'autoproduisaient. Comment? Avant de l'être, ils s'autoproduisaient. Ah ouais. Et c'est parce qu'ils s'autoproduisaient qu'ils avaient une certaine notoriété que la production venue là-dessus. Parce que la plupart, quand on les a connus, c'est avec les maisons de prod. C'est pour ça que généralement, quand ils ne sont plus avec la maison de prod, on sent un peu qu'ils ne sont pas habitués à faire ce travail-là. D'accord. Voilà. Donc, vous êtes sur le terre-terre, tu vas dire que tout le temps, vous, c'est déjà une habitude pour vous. Voilà, tiens, en même temps, tu es directeur artistique, tu es chorégraphe, tu es producteur, tu es manager, tu es arrangeur, mais peut-être tu donnes des idées au studio. Mais est-ce que ça ne rend pas moins efficace? Parce que à tout faire aussi, souvent, on ne fait rien. Après, c'est parce qu'on n'a pas trop le choix, c'est ce que j'ai dit justement. Okay. Sinon, si il y a une production avec déjà ce qu'on a comme capacité. Je pense qu'avec une production, les choses peuvent aller plus rapidement. Hein. Est-ce que c'est parce que vous n'êtes pas un peu trop indiscipliné? Généralement, c'est ce qu'on dit, mais on n'est pas tous indisciplinés. Non, vous, les artistes du Pays de Calais, surtout votre génération, vous êtes très indisciplinés. Mais ça ne vient pas de nous, mais parce que depuis les vieux pères jusqu'à nous maintenant, là, je ne pense pas même qu'il y a quel artiste qui a été produit, quel artiste du Pays de Calais. Peut-être au BAMS. Après ça, tout sur cette terre, l'autoproduction, hein. Après ça, je ne vois pas. Hein. Mm-hmm. Donc du coup là, je pense pas que ça vient de nous. Peut-être que c'est. Non, beaucoup ont été produits, beaucoup. Non, c'était des mécènes, c'était pas une production. Ah oui. Ouais. C'était pas une production comme. Si, quand même. Il y en a pourtant. On a eu à l'époque David Monceau, c'est un producteur, il a produit plein d'artistes. Bien sûr. C'est pas un mécène. Là, tu diras pas champion. Après, c'est tout ça aussi qui fait que Didi et moi te voient un peu la vedette aujourd'hui. Ah. Alors aujourd'hui, voilà ce qui est en train de se passer. Il y a le Maïmouna des enfants qui commence à vous fatiguer un peu, il faut le dire. Ils commencent à occuper un peu plus tous la scène musicale et tout, la musique urbaine. Et on les voit de plus en plus. Est-ce qu'à cette allure-là, ils ne vont pas vous effacer? Non, ils ne peuvent pas nous effacer. Pourquoi? Parce qu'ils s'inspirent de nous. Ils s'inspirent de nous pas. Je pense que justement, le problème ici, notre problème ici vient un peu dans la communication, dans la production. D'accord. Alors, si ils ont plus de canaux pour s'expliquer que nous, justement, pour s'exprimer que nous. Que vous. Ouais. Justement, quand on fait la même chose, on dit le même message. Si toi, ton canal est plus fort que le mien, tu seras plus entendu que moi. C'est ce qui se passe actuellement. D'accord. Donc, du coup, je pense que si on a les mêmes opportunités, les mêmes. De vous exprimer. Voilà, la même manière de s'exprimer, et puis je pense que ça. Ils ne pourront pas, parce que c'est ce qu'on fait qu'ils font. D'accord. Après, est-ce que vous faites le même travail qu'eux aussi? Parce qu'eux, ils bossent, ils ne dorment pas. Donc, vous, souvent, vous dormez.
Mais on ne peut pas dormir même. On ne dort pas. On gère tout, on ne peut pas dormir. Mais comment ça se fait qu'ils soient plus devant que vous? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ils ont plus de... comment dirais-je? De portée. La production a plus de portée que nous, justement. C'est le travail, peut-être pas le travail artistique qui pose problème, mais c'est le travail de production, justement, qui pose problème du niveau du coupé-décalé. Sinon, et parce que depuis, on dit le coupé-décalé en baisse. C'est vrai qu'on dit, mais il y a combien de tubes qui sont sortis coupé-décalé en 2 ans, là? Il y a pas, peut-être dans le rap, il n'y a même pas autant de tubes, hein. Ah, c'est ce qu'on dit. Mais est-ce qu'il n'y a pas la confusion en ce moment? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, on ne sait plus véritablement où situer les choses. On ne sait pas si c'est du Maïmouna, si c'est du coupé-décalé, parce qu'il y a des collaborations. Dans les collaborations, il y a une coloration aussi qui se passe. Et chacun de vous, on a l'impression que chacun tire la couverture sur lui. Justement, ils font ce qu'on fait, oui. Mais comme ils sont d'un autre style, on attribue ça à leur style. Ouais, bah. Voilà, justement. Sinon, ça, c'est pas... Est-ce que ce n'est pas parce que aussi on caricature un peu les artistes de votre génération comme étant des artistes, des brouteurs, que bon, ça fait aussi freiner un peu certains producteurs qui veulent vous aider pour évoluer? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. On n'a pas dit des brouteurs, on a dit des mécènes. Et puis, tous les artistes sont des mécènes, des gens qui les soutiennent dans ce qu'ils font, qui les aident financièrement. Voilà, c'est donc, les brouteurs, dans les bars, quand on les voit à tes prestations, te jeter de l'argent dessus. Quand tu vas au bar, là, c'est le brouteur que tu vois? Non, moi, j'ai vu des vidéos, monsieur, de vous dans les bars. Souvent. Non, moi, je ne vais pas dans les bars. Ah, d'accord. Sinon, quand moi, je vais au bar, ce n'est pas le brouteur qui voit. Je vois des opérateurs économiques. Des opérateurs économiques, quand même. Des professeurs, des policiers, c'est comme ça qu'on comprend. La vidéo, comment on voit la ça, il y a la vidéo, ça. Attention, hein. Alors, pour toi, dans votre génération aujourd'hui, de votre génération, on va dire Yéman, tout, pour toi, qui est le numéro 1? Il ne peut pas dire qu'il y a un numéro 1 parce que chacun fait son chemin, mais il pense que... Il y a un groupe qui a plus d'avance que nous parce qu'ils ont, dans la durée et puis dans la façon de faire, ils pensent que en toute humilité, la team de Poi. J'ai plus d'avance, sincèrement. Au moins, toi, tu es dans la vérité. Je pensais que tu allais dire autrement. Non, tout le monde sait que moi ici, ne casse pas mes choses. D'accord. Reconnaître le travail, le talent de l'autre ne veut pas dire que toi, tu n'es pas aussi talentueux. Ok. Mais à ce qu'il paraît dans votre milieu, quand je parle de votre nouvelle génération, il paraît qu'il y a beaucoup de drogués dedans. Tu en fais partie aussi? Non, il ne prend pas des drogues, Après, je pense que dans le showbiz en général, on parle de ça. Voilà, mais moi, il ne prend pas des drogues. Non, mais surtout vous, votre génération, non, mais c'est de ça, on parle non, plus. Non. On dit qu'il y a beaucoup parmi vous qui se droguent. Non. Et puis, ils sont souvent beaucoup dans les partout. Moi, je croise des gars là, souvent. Non, c'est ça, c'est pas nous ça. C'est qui? C'est nous même là. Ou un gars qui? Où est ça pour bouer? Même pour deux ans. Il n'y a pas goût à pour bouer là-bas. Ou un gars, non, pas esprit de ça. Il n'y a pas goût à pour bouer. Esprit de pardon, c'est où ça y est? C'est où? Quel va venir si la voix les dit ça? C'est qui? C'est où? Tu avais dit récemment dans une interview que Ariel Chéné et que Ozen sont des artistes du coupé décalé qui ne marchent pas. Toi, tu penses que tu marches par rapport à eux? Ou bien comment tu peux oser dire ce genre de choses? Peut-être que niveau actualité. On peut dire ça. Mais niveau carrière, c'est ce que justement, ce qu'on fait, ce qu'on dit là maintenant, moi je pense que c'est ce qui fait penser aux gens que le coupé décalé obtenait. Parce qu'on a donné le coupé décalé à certains visages, pas un style musical. Vous avez quoi? Ils ont donné le coupé décalé à certains visages. Mais pas un style musical. C'est-à-dire. Donc quand on dit le coupé décalé est tombé, on se réfère à ces artistes-là, mais pas au style de musique. Si on se réfère au style de musique coupé décalé, on ne peut pas dire que le coupé décalé est tombé. Parce qu'en 2 ans, 3 ans, il y a eu des sons coupés décalés qui ont été des tubes. Il y a eu Kabato, il y a eu Dora Dance des teams de Poi, il y a eu Pression même des Didi Yéman. Il y a des sons. Il y a plein de sons qui sont comme ça. Mais on dit malgré ça que le coupé décalé. Parce qu'il y a des artistes coupés décalés connus de tout le monde qui sont plus d'actualité. Si on donne plus de lumière à ces artistes qui sont en train de monter, dans la position, je pense qu'ils vont voir que le coupé décalé est toujours à sa place. Donc tu es d'accord contre ceux qui disent que Léo dort en ce moment? Ça fait longtemps qu'on n'a pas envoyé beaucoup de moments aussi. Ça fait longtemps, son dernier son, mais je ne sais pas, ça remonte à quand. Mais. Donc, il a chanté Réveillez-vous. Réveillez-vous, voilà. Par exemple, Léo disait à l'époque ici, il est venu, on l'a reçu, il dit tous les artistes du coupé décalé dorment. Bon, Alain là, on dit lui. Mais c'est sûr, peut-être qu'Alain là, il ressent aussi ce qu'il a dit. Ah, il ressent ce qu'il a dit. Ouais, il voit un peu. Donc, il a été vivre ça, quoi. Peut-être qu'il a été contaminé aussi. Ah. C'est ce qui se passe tout. Des efforts là. Donc là, si tout de suite je te mets au défi, tu peux faire un truc. Ouais, rapidement même. Donc vas-y. Donc, essaie, hein, voilà.
Bon, il n'y a même pas rentré dans mon style, il fait un petit parole. Faut pas regarder ta position. Et puis tu vas me manquer de respect. L'argent là, c'est Dieu qui donne. S'il t'a donné, il va me donner aussi. Donc faut bonia, bonia, bonia. Ils vont bonia. Là, okay, c'est rien que ça nous a donné. Justement, pour te dire qu'on peut tout faire. Donc, tu cherches quoi dans le coupé décalé? Tu ne vois pas que tu es en train de jouer un peu avec ton potentiel, avec. Pourquoi? Le coupé décalé, c'est une musique, c'est une très bonne musique. Et puis, c'est la musique que les Ivoiriens consomment. Donc, tu as fait carrière, tu as dit que tu as laissé ce bon potentiel-là que tu peux exceller dans d'autres genres musicaux. Justement. En plus, tu as des locks, tu peux faire un peu de reggae. Ça tire bien. Non, j'ai un artiste coupé décalé. Mais je peux faire sortir d'autres chansons sur d'autres styles. Voilà. Et puis, ça, je pense que pour faire ça, il faut. C'est sûrement pour ça qu'on a besoin d'une production pour montrer toute l'étendue de notre talent. Mais qu'est-ce que toi, tu fais pour attirer un producteur vers toi? Attirer un producteur, mon travail déjà, normalement. Moi, il travaille. Si peut-être mon travail peut-être plaît à un producteur, il peut venir. Ce n'est pas compliqué, ni difficile, tout ça. Non, c'est pas compliqué. Mais Abel, pour l'instant, tu n'es pas encore allé faire des spectacles en Europe? Non, pas encore. Mais comment ça se fait que toi, on va dire du plus haut de ta carrière, avec tout ce que tu as fait comme concept et tout, Bébé Sans Demande t'a laissé pour partir à Paris? C'est le promoteur qui envoie, qui coordonne les tournées. Elle, c'est pas parce qu'il est plus fort que toi. C'est le promoteur qui décide s'il sent bien le feeling. Les congélateurs, tout ça, ils sont partis. C'est le promoteur a senti le feeling sur eux. Donc, après moi. Donc, toi, tu n'es qu'entre toi et puis eux, ils ont choisi les autres, ils les ont choisi pour te laisser. Ah, voilà, après, c'est leur business. Tu peux pas vouloir quelqu'un dans son business. Donc, eux, leur business, c'est quoi? De prendre des artistes qui ne sont pas des artistes? C'est dans le ils dansent, ils s'en sortent. Mais quand tu vois, ils sont plus forts que toi, mais toi, tu penses. Non, c'est moi, eux, on est dans le même moment. Alors, toi, vous avez toujours été dans le même moment. Tu ne peux pas courir, tu le connais. Est-ce que tu peux? On n'est pas dans le même mouvement. Donc... Hé, Abbé, Bébé Sans Demande, il va courir ton âme. C'est le cas cadre. Moi, c'est mon artiste, c'est pas mon mouvement. Nos chansons font la une. On utilise nos chansons pour faire les premières parties, chauffer les salles. Mais quand il s'agit des grandes scènes, on est un peu écarté, tu vois. Voilà, c'est un peu ça. C'est ce que moi, je peux reprocher. Pour qu'est-ce qu'ils vous disent à vous? La raison qu'ils vous donnent très donne, souvent. Très souvent, voilà. La raison. Moi, vraiment, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'ils ne vont pas vous faire passer que des artistes pour des artistes de première partie. Voilà. Justement, mais c'est dans ça qu'on est, justement. Mais moi, il me dit que le problème vient peut-être de la... peut-être de l'image. Parce qu'après aussi, quand tu enchaînes, il faut positionner ton image. Peut-être que nos images sont encore bien positionnées à ce niveau-là. Comment tu as parlé par ça? Un artiste, il travaille sa chanson, il travaille son image. Et puis, il travaille d'autres choses. Peut-être que c'est ce qu'ils disent. L'image qu'on a là. Voilà, on n'a pas quoi assez travailler sur nos images pour se positionner. Peut-être parce que vous n'êtes pas des artistes engagés. Quand on voit aujourd'hui la jeunesse qui couvre la dépravation, les chichas par-ci, les partous par-là, les trucs dans les résidences, avec les drogues, tout ça. Peut-être que vous ne vous impliquez pas assez. Raison pour laquelle les gens ne se sentent pas vraiment à vouloir vous impliquer aussi dans leurs événements. On s'implique, mais on a notre volet d'implication. Voilà. Déjà, la musique, même déjà, qu'on fait, c'est du coupé décalé, c'est pour mettre l'ambiance, c'est pour mettre la joie. Voilà. Donc, niveau sensibilisation, c'est vrai qu'on n'est pas trop impliqué. Mais niveau joie, on est impliqué. Et puis, mais la joie ne suffit pas, je pense. Tous les événements sont festifs. Hein. Oui, mais bon. On invite, génial. Après aussi. Festif, mais éducatif, il le faut. Mais voilà, après justement, aussi, mais après, nous, on a plus mis l'accent sur le volet joie, festif. OK. Mais après, éducation indispensable. Mais Abbé, est-ce que le souci ne vient pas du fait que on a du mal souvent à garder en mémoire les paroles de vos chansons? On ne fait pas une musique à parole. Voilà, à la base, ce n'est pas une musique à parole. Ok. Justement. C'est une musique à ambiance. Mais les ambiances, c'est des paroles. Pas forcément des paroles en langue ou en français. Non, il peut y avoir des paroles pour ambiancer. Il peut y avoir des paroles d'ambiance. Parce que, pourquoi je te pose cette question? Tu sais, la musique, on se dit, c'est quelque chose qui doit revenir dans la mémoire des gens. Si les gens ne peuvent pas garder ta musique en mémoire, c'est un peu difficile aussi. C'est pour ça qu'on associe nos musiques à des pas de danse.
Mais le pas de danse là, ça va passer. Après, vous reprenez les anciens pas là, vous ramenez, on voit ça et tout. Voilà. Dans, même dans la musique, ça se fait. On prend les trucs pour vous revenir. Oui. Partout, ça se fait. Oui, mais vous, en ce moment, est-ce que vous n'êtes pas un peu en cours d'inspiration? Parce qu'on voit que vous êtes ramené toutes les anciennes danses là. C'est pas en cours d'inspiration, c'est comment dire, on suit le feeling des choses. Vous êtes un peu dans le rétro, on va dire. Non, c'est pas dans le rétro. On subit les changements. Voilà. Les changements en revenant en arrière? Non, c'est pas revenir en arrière, c'est prendre ce qu'il y a derrière là pour mieux faire ça. Donc vous pensez que ceux qui ont fait son pardon l'ont mal fait? Ils n'ont pas mal fait, on apporte une nouvelle couleur. On apporte une nouvelle couleur. Et puis, il y a eu une interview dernièrement, il y a Max Hero qui a bien apprécié ce qu'on faisait sur ses anciens mouvements. Donc justement, c'est parce qu'ils n'ont pas qu'ils ont mal fait, c'est parce qu'ils ont bien fait qu'on reprend même. C'est bien qu'ils ont mal fait, hein, oublier ça, mais ça va s'oublier. Bon, est-ce que vous, tu penses que des années plus tard, on va dire dans 10 ans, comme tout comme eux, ça a été bien fait, les gens ont repris ça 20 ans après. Mais est-ce que vous, tu penses que dans 10 ans, tout ce que vous faites aujourd'hui, là, les gens vont le reprendre? Ouais, c'est clair. T'en es sûr? C'est juste sûr, très très sûr. Bon, pourtant, la team Paya est en train de vous évincer. C'est Milano en train de vous balader. Alors, qu'est-ce que tu penses de la team Paya? Ouais, un bon groupe bien organisé. D'accord. Chacun a sa place, chacun sait ce qu'il doit faire. Exactement. C'est ça. C'est ce qui vous manque un peu, je pense. Justement, c'est un peu ça. C'est ce qu'il a reconnu. Donc, ils font du bon boulot. Puis, ils sont sur le feeling. Ils sentent ce qu'ils prennent, ce qu'ils marquent. Ils surfent sur le feeling. Voilà, ils surfent sur le feeling. D'accord. Alors, mais qu'est-ce que vous, si vous attendez pour essayer de vous réorganiser, parce que ça fait partie de tout ça aussi? Déjà, ça fera le bien à essayer de faire ça. Mettre ensemble pour essayer de nous unir, pour essayer d'être une force. D'accord. Mais, quand on est coupé décalé, chacun a son ego, chacun a son... C'est tout ça qui ne vous chacun fait pas avancer. Quand on va parler, vous allez dire, non, les autres, ils ont produit. Si vous-même, vous n'êtes pas organisé. Sinon, on se bat, mais chacun de son côté, en fait. D'accord. L'union fait la force. Mais maintenant, beaucoup de gens commencent à comprendre, il y a le featuring, il y a Tim. Ouais, parce que j'ai vu récemment. Il y a Tim Diamant. Ouais, j'ai vu la Tim décalé. Mais après, c'est pas continu. C'était pour une période, et puis Maxi, ça continue. Moi, je pense qu'il n'y a pas. Ce qu'on fait là, c'est ce que les gens aiment. Danser, chanter, ambiance, c'est ce qu'ils aiment. Là, ils sont obligés. Sans éducation. Et très souvent, quand on regarde vos pas de danse, c'est un peu osé. Osé. Bah ouais, vous mettez des filles, il y a des tenues un peu qui ne sont pas appropriées. Entre-temps, aujourd'hui, toute la jeunesse est affluée d'Internet et de la télé. Ça a commencé sur nous. Mais pourtant, c'est vous qui mettez plus ça en avant. Comment ça, ça compte sur vous? Ben si. C'est nous sommes en face à la pays là. Mais est-ce que toi, tu es obligé de suivre ceux qui le font? Non, mais nous, maman, quand tu dois être un modèle, si c'est ce que tu vis, si c'est où tu veux aller. Donc tu mets un peu de la droiture dans ce que tu fais. Mais dans là, où est un truc là? Il faut danser. On voit des filles mineures dans vos clips habillées d'une certaine façon. Non, c'est pas mon clip. Quand vous faites vos castings là, est-ce que vous prenez le temps même de prendre l'âge réel de ces filles là? C'est pas mon clip ça. Ah bon? La fille mineure. Tous ceux qui sont dans tes clips sont majeurs? Généralement. Généralement. Ouais. Après, quand tu fais un clip urbain, un clip urbain en pleine rue, tu ne peux pas gérer la foule. Si les gens veulent participer, il y a la foule qui est là, il y a des figurants. Bon, donc après, ne vous étonnez pas qu'on ne vous soutienne pas, parce que la majorité de ceux qui vous regardent, qui organisent des événements pour la jeunesse, ben, même s'ils doivent vous prendre, mais il y a quand même un peu de retenue quand même. Pourquoi nos chansons en jouent là-bas? C'est la chanson qui joue. Donc, on parle. C'est pour ça que souvent, ils vont mettre vos chansons et puis vous-même, on vous appelle non, pas. Non, pourquoi? Maintenant, il faut qu'ils nous appellent maintenant et puis on vient maintenant pour expliquer. Quand bien on le saura combat. Que vous vous impliquez, que vous êtes devenus des modèles, là, peut-être qu'on vous appellera. T'es modèle comment? Un modèle de joie. Mais toi, tu n'es pas un modèle, ta copine vit là-bas, toi, tu vis ici. Non, chacun vit dans. Check, t'es modèle, vous. Tu fais passer tant d'enfants des gens. En des temps, peut-être, mais il y a quelqu'un qui veut l'apprendre. Mais c'est ce que je te dis. C'est parce que aussi, ça convient à la personne, justement. Tu peux être assis ici, tu ne sais pas qui est avec elle, là-bas, qui t'entend y parler. Ça convient à la personne, justement. C'est une personne mature, âgée. Donc, ça convient à la personne. Alors, Abbé, le Superman, est-ce que tu as déjà eu des pratiques mystiques pour avoir du succès? Non. Moi, je suis très croyant. Pour ceux qui me connaissent, c'est une. Tu es croyant de quel bord? Je suis musulman, j'ai une éducation très islamique. Ok. Ouais, donc. Est-ce que tu fais tes prières tous les jours? C'est un peu dur maintenant, mais. Ouais, c'est ça le pas vrai tous problème. Les jours, mais il fait tu prières. Consommes de l'alcool? Non, je ne consomme pas d'alcool. Tu ne fumes pas? Je ne fume pas non plus. Et tu es enfant de qui? Et tu es enfant de qui? Comment? Parce que c'est pas ma touche. Quelqu'un qui ne fume pas, qui ne boit pas. Tu concentres ton énergie dans quoi? Voilà. Dans la musique, justement. Tu n'es pas clair dans ton affaire, là, Superman. Je suis concentré sur mes ambitions, mes projets. Faut faire attention où tu vas là. Comment ça?
Non, ça ne me plaît pas. C'est-à-dire que tu réfléchis à ma place. Moi, je réfléchis comment? Bah, dis, me concentre sur moi-même, sur la musique. Bonne concentration. Abbé le Superman. Alors, aujourd'hui, quels sont tes rapports avec les gars de ta génération, tels que Didier Mann, la team Paya, pardon, la team Depoy, tout ça, tous les gars de ta génération aujourd'hui, quels sont vos rapports? Ouais, moi, je parle à tout le monde. Hein. Moi, je parle à tout le monde. Du coup, il y a le numéro de tout le monde. Souvent même là. Il n'y en a pas avec qui tu ne t'entends pas? Non, il pense qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. On s'entend bien avec tout le monde. Il y a du monde parce que tout le monde, souvent même. Forcément, il y a d'autres qui. Souvent, on se met sur des gombos même. Souvent. Mais il y a d'autres, que forcément, il y a d'autres quand ils te voient, ils sont énervés. C'est normal, hein, ça fait partie normal, de la famille. C'est normal, ça c'est le game, il n'y a pas, d'animosité. Il n'y a pas d'animosité. C'est la famille. Tout se passe bien. Moi aussi, j'étais un peu seul là-bas. D'autres n'ont pas pris les goûts de d'autres. Ça paraît tout ça. Non, on n'est pas dans la même zone. Moi, c'est à Port-Boué, ça, je peux. Mais est-ce que la zone empêche quelqu'un de prendre goût de quelqu'un? Souvent, hein. En commun. Mais vous ne fréquentez pas les mêmes endroits. Moi, mais je ne connais même pas leur quotidien. Tu n'es pas dans les mêmes coins. Qui, mais attends, toi, donc, toi, tu es à Port-Boué, tu n'es pas du Bourgon? Non, mais c'est à Port-Boué. Tu as toujours été à Port-Boué? Toujours été à Port-Boué. Mais ouais. Comment tu fais alors? Et puis, tu te retrouves dans beaucoup dans les trucs de You. Parce que, en général, tout le monde pense que tu es à You Bourgon. Ah, justement, c'est parce que je m'intéresse justement à la musique coupée des calais qui bouge bien en ce moment. Voilà. Et c'est du côté de Poi que les choses se passent. C'est du côté de Poi. Mais j'ai fait mon dernier son, c'est la team de Poi. L'arrangement, ça a été fait à Yopou. D'accord, c'est déjà sorti? Non, c'est pas encore sorti, ça sort bientôt. C'est quoi le titre? C'est Y'a quoi? Y'a quoi? Y'a quoi? Bon, Y'a quoi là? C'est pour qui? Ça s'adresse à qui? Y'a quoi? Mais ça s'adresse à qui le Y'a quoi? Le Y'a quoi, ça s'adresse à tout le monde. C'est-à-dire? C'est tout le monde, Y'a quoi? Mais il y a quoi comment? Parce que quand tu dis il y a quoi là, c'est forcément quelque chose que tu demandes à quelqu'un. Maintenant tu dis Yumi, ou bien tu veux Yumi, Yumi, il y a quoi? Le sang fait, tu es fâché. Par rapport à quoi? Tu n'as pas, il y a quoi? J'ai été tapé, tu as quoi? Prends position, tu as dansé maintenant. Bon, prends position, tu as dansé maintenant. Quelqu'un qui écoute ça. Mais ça ressemble à des chansons qui sont déjà, qui existent déjà. Mais c'est l'ambiance. Mais le plagiat, j'en ai fait. Le plagiat des filles. C'est fâché, il y a quoi? Ça ressemble à des chansons. La team de Poi. Oui, c'est eux qui font ça. Ça ressemble toujours à la maman Machocho, là, c'est ouais, ça ressemble à ça maman Machocho. C'est le style de musique. Mais à part, est-ce que, pourquoi il n'y a pas, j'ai l'impression qu'on ne fait pas tout le faux. Hein. Parce que c'est que tu viens de sortir là. C'est maman Machocho. C'est déjà entendu. Mais oui, c'est les mêmes beats, c'est les mêmes rythmes, tu vois, c'est pas quelque chose de. Tu ne peux pas diguer deux chansons du même style musical dans le même rythme, c'est normal. Si tu es le rap. Tu auras du rap si tu as du coupé décalé, tu es fâché. Il y a quoi? Maman Machocho. Ah, c'est la même rythmique, c'est le même style de musique, c'est comme ça. Non, mais après, vous cherchez un peu, vous sortez. Fali, vous pouvez faire des albums rumba. C'est pas la même chose. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Mais Fali, tu devais faire un son coupé de calé. Là, tu vas faire un son qui est plus fort que toi. Justement, ici, on parle de style musical. Il faut partir où tu t'en vas, il faut quitter là-bas. Là-bas, c'est trop glissant. Tu n'as pas dit un rappeur qui veut faire du rap de mélodies. Mais le rappeur ne fait pas les mêmes choses. Non, il change ses mélodies, il change ses kicks. Il change les kicks, il change les stops, mais vous, non, c'est... Voilà, c'est déjà de montrer. Il rappe dessus. C'est la même pièce, c'est la même rythmique. Une chanson rap peut pas avoir la rythmique coupée des calés. Faites un peu d'effort. Passez... Peut pas avoir la rythmique du rap. C'est ça le problème. On est dans un style de musique. Oui, c'est-à-dire que tu prends chez ton voisin, tu arranges un peu, puis tu sors, dis c'est pour toi. On est dans un style de musique. Parce que les gens commencent à se plaindre de plus en plus que vos trucs-là commencent à tous se ressembler. Mais c'est un style de musique. Mais après, vous n'avez pas peur de la monotonie? S'il n'y a pas de monotonie, s'il y a des tubes qui s'enchaînent, c'est qu'il n'y a pas de monotonie. Non, mais la monotonie, là, après, quand des tubes qui s'enchaînent, là, si toujours on entend les mêmes choses se répéter, après, ça commence à. On passe. S'il y a un autre groupe là qui nous envoie un autre truc qui n'a rien à voir pour vous, là, les gens se contenter de juste. Là, ce soit la parole, là, c'est quoi cette parole qui est dedans, non? Oui, mais ce n'est pas toutes les mêmes paroles. Il y a des paroles qui sont. Ah, c'est le sens, il n'y a pas quelque chose qui est dedans, là, qui s'enchaîne. C'est les mêmes thèmes, les mêmes paroles, les mêmes tubes qui répètent. On a des styles de musique. Donc, c'est ce style-là que tu vas voir. Tu peux pas avoir un autre style de musique, d'un style de musique bien précis. En fait, du coupé décalé, on va pas venir rapper dans le coupé décalé. Ah, donc c'est normal que les chansons se ressemblent. Non, pas normal que les chansons se ressemblent. Non, c'est normal. C'est normal. Les chansons peuvent avoir les colorations musicales, oui, mais pas les. Mais c'est pas les mêmes chansons, justement. Il y a des similitudes, mais c'est pas les mêmes chansons. Ça, c'est normal. Tu mets deux sons rap, tu vas voir qu'il y a des similitudes parce que c'est du rap. Tu mets deux sons zouglou, tu vas voir qu'il y a des similitudes. Elle est haut à la fin. Benoît a sorti deux tubes récemment, mais ça ne se ressemble pas. Il travaille. De quoi t'as la coupe deux fois, deux là. Mais avant, il a sorti un autre. Qu'est-ce que ça? Oui, pendant la canne, il a sorti un tube.
Alors, ça ne se ressemble pas. Donc, quand il dit que non plus les mêmes, il est donc bien décalé bien avant vous. Donc, de quoi tu parles? Elle m'a envoyé un terrain. Elle dit, mais le film, il a son style. Mais quand j'écoute ça, il avait un style aussi. Son style, là. Si tu regardes bien, il y a des chansons qu'il a fait auparavant qui sont un peu... Il est d'un style. C'est pas coupé décalé. C'est coupé décalé, justement. C'est pour ça qu'il est constant. Mais lui, son style, là, c'est lui qui maîtrise ça. Tu vois, ben non. Ah, lui maîtrise son style, mais les autres films, on ne veut pas faire ce qui marche actuellement. Comme qui fait pas ce qui marche actuellement? Presque tous les noms du Coupé Dégalé là. Arsenal. Parce que, ouais, actuellement, la nouvelle musique Coupé Dégalé qui bouge, c'est le diamant rythmique accéléré, hein, beaucoup de. On a beaucoup de blocages et tout. Mais les vieux ne veulent pas suivre ce genre de musique là. Bon, peut-être que c'est parce qu'ils ne se reconnaissent pas dedans aussi. Non, mais le Coupé Dégalé au début, il y a longtemps, papa. Mm-hmm. C'est pas le Coupé Dégalé qu'Arafat faisait? Non, après lui aussi, il y a eu du changement, justement. Mais on a un autre changement. Mm-hmm. Pour suivre, là, il faut suivre. Mais eux, ils ont suivi dans le temps. Pourquoi on ne suit pas? Ça a déjà changé. C'est non, tu peux ne pas suivre. Nous-mêmes, avant, tu peux ne pas suivre. Nous-mêmes, avant, il y a longtemps aussi, on chante. Avant, quand on faisait Coupé Dégalé. C'est même pas. Trois ans, c'est longtemps. Non, je suis là depuis longtemps, maman. C'est la Goula qui n'était pas là. Quand on chantait là, on faisait les Atalakou de nos tontons aussi. Mm-hmm. Mais, actuellement, là, tu avais chanté une chanson, tu avais fait Atalakou des. De 2012 là-dedans. Mmh. Ah, tu vas te regarder quoi. Hein? Non, c'est déjà, ça peut passer, tu peux faire tout ça prendre. Non. Si il y a des gens qui se reconnaissent dedans, ils vont te suivre. Les choses sont en train de changer. Donc, suis les changements. Si tu ne suis pas les changements là, c'est ça. Non, pour les vieux pères qui sont en train de dormir. Non, mais bien, l'entrée là, bien mal, vous êtes nous tous. Et vous avez plus de portée que nous. Voilà. Venez à faire le son si nous sommes bien mal, ça d'abord. Alors, comment tu te vois un peu, on va dire quoi, sur une longue durée, dans 5-10 ans, tu te vois comment? Avec beaucoup de chansons, avec aussi beaucoup de collaborations surtout, parce que je pense que c'est la collaboration qui positionne, qui donne une image, un concert au Palais de la Culture, justement, et puis beaucoup de chansons dans d'autres styles, comme vous voulez, là. Vous vous montrez quand c'est... Un peu de reggae, voilà, un peu de chansons en parole, un peu de rap, un peu de tout. Ouais. C'est important parce qu'un artiste. Un artiste doit tout faire. Ouais, c'est mieux. Voilà, ça, ouais, c'est important. Voilà, moi, tu tout. Comptes aussi apprendre à jouer d'instruments de musique? Ça, c'est chaud. Mais pourquoi compte... c'est chaud? Tu peux apprendre? Ça demande beaucoup de temps après. Après, temps. Qui mais veut après moi, je pense que ce que j'aimerais bien faire, c'est. J'aimerais me faire des prods moi-même. D'accord, arrangeur, tout voilà. Ça, toi-même. Tu comptes te faire former pour ça ou être... Autodidacte. Autodidacte. Forcément, je vais me faire former, mais pas une formation comme il se doit, juste des études, tout et tout. Hein. Pratique de là, tac, tac. Mmh. Ça rentre vite. On apprend sur le temps. Mmh. Donc les grands DJ, comme Bidi, eux, ils ont fait long. Ils ont fait tout près là. C'est toi qui dois lui demander maintenant, mais moi, je pense que c'est la même chose. C'est sur non, pas de dire, mais c'est que ma vie, mon grand Mouloukoukou, Arsenal, c'est sur le tas. Après, il s'est tac-tac, et puis quand il s'est le talent... Là, mais après, ils se sont fait former. Justement. Mmh. Mais c'est sur le tac, ça va. Alors, donc, toi, ton message tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as dit au vieux père là que c'est mieux d'être dans Biama en même temps. Ouais, donc à faire le nouveau coupé décalé qui bouge, papa. Ouais. C'est ce que les gens consomment. Donc, toi, tu leur dis, il ferait mieux de faire comme vous, en fait. Non, faire de ce qui marche. Moi, il y a des chansons d'avant aussi qui sont un peu dans le style... Un peu, mais elle a changé aussi, je suis venu dans ce qui est là. Donc c'est ce que peut-être Bamba Missara a compris, puisqu'elle voilà. Vient de faire un feat avec Didier. Donc aujourd'hui tu en parles. Mm-hmm. Aujourd'hui elle en parle, non? Donc, c'est ce que j'ai vu sur le voilà, c'est que c'est ce qu'il faut faire justement. C'est donc, ce qui bouge. Donc les vieux pères doivent suivre. À la base, un artiste ne chante pas pour lui, chante pour ceux qui l'écoutent. Voilà. Maintenant, l'argent que tu gagnes dedans, là, tu donnes aussi au public. La cible actuellement qui écoute là. C'est ce qui demande. Non, mais l'argent, ce que tu gagnes, est-ce que souvent tu leur donnes aussi? Les attentes du public. Mon frère, c'est ce que tu gagnes. Eux, ils t'ont demandé, non? Tu sais, maintenant, ce que tu gagnes, est-ce que tu leur donnes un peu? On donne toujours, quand on sort on nous brasse. Comment le père a des bêtises, c'est comment ton petit? Tu penses que c'est les baisses la visage? Tu ne veux pas faire comme kérosène, tu donnes les sacs de riz. Quand on voit son sika, là, il fait ça, quand on voit son tien, là. Mais qu'est-ce que tu penses, par exemple? Tu sais qu'au jour d'aujourd'hui, tu n'es pas censé l'ignorer. Mmh. Que vraiment, quand je dis en discothèque, hein, je n'ai pas dit peut-être dans les bars, tout ça, mais en discothèque, vos musiques ne sont pas véritablement dans la sélection. Pourquoi? Moi, je vais en discothèque, moi, j'écoute nos musiques. Mmh. J'écoute nos musiques, voilà. Tu vois, quand j'ai en boîte, là, 24h, 5h, là, c'est la partie là où on sent que c'est les gens pour tuer le match maintenant. C'est nos chansons qu'on joue.
On réserve ça, on joue là, ils sont deux doux un peu. Mais où on doit chauffer là, c'est nos chansons, là, on joue. Partout, c'est comme ça. D'accord. C'est pour dire qu'on est écouté partout, on est joué partout. Mais peut-être que, c'est ce que je dis, il y a des vieux pères qui sont plus positionnés que nous. D'accord. Voilà, si je pense que eux, avec leur force, avec leur image, ils s'y mettent en même temps que nous dans ce style-là, mm-hmm. c'est clair qu'il n'y a pas. Hein, à part. Mais qu'est-ce que tu dis, de, par exemple, des gens, les, bon, vos vieux pères, par exemple, tels que Arsenal et Kilabongo, qui disent que le Maïmouna, c'est du coupé décalé. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais c'est vrai, tout le monde sait ça, on ne peut pas discuter là-dessus. C'est du coupé décalé. Mais le rap, il voit, se l'approprie. Justement, ils sont... Non, c'est pas ça, c'est parce que Didi Bey, qui est le roi du game en ce moment, a dit et maintient que ce n'est pas du coupé décalé. Mais Didi Bey même, quand tu le vois, tu sais que c'est le plus gros succès. Mm-hmm. C'est le son ambiance Maïmouna, comme il dit là. C'est le plus gros succès. C'est le son ambiance Maïmouna. C'est lui pas dit, c'est pas rap. Ça, c'est du rap, il voit. Mm-hmm. Donc justement, c'est sa communication. Okay. Sinon, c'est le plus gros succès, c'est le son Maïmouna, c'est le son ambiance. Mm-hmm. Voilà. C'est de l'ambiance, c'est du coupé décalé. C'est pas parce qu'un rappeur vient faire du coupé décalé que ça devient du rap. Pourtant, c'est tout ça qu'il a fait aujourd'hui. Si il fait sortir un son rap, ça ne rend pas rappeur. C'est peut-être que le c'est son rap, mais ça ne fait pas de moins rappeur. Ça ne fait pas de toi un rappeur. Voilà, justement, c'est ça. Mais pourtant, c'est en faisant ça que lui, il est devenu votre roi. Non, mais c'est la communication, c'est une stratégie artistique. Donc, tu maintiens que c'est votre roi. Quoi? Ouais, c'est pas rappeur. Mais lui dit. c'est votre roi, vous tous. Parce que c'est lui qui gouverne, c'est lui qui contrôle. Non, mais c'est pas rappeur. Moi, c'est pas rappeur. Lui, le roi des rappeurs. Oui, il est là-bas. Sinon, nous, on a nos vieux morts qui sont là. Même si ils sont pas de la forme, ils ne sont pas trop constants, mais ils sont là. On ne peut pas trop dire que. Donc, qui est le roi chez vous? Qu'est-ce que tu dis que Didi Bey, lui, le roi des rappeurs? C'est nous, là, beaucoup de rois. C'est que sinon, on est dans l'actualité. Les rois sont là-bas. Nous, on est dans l'actualité. On essaie de monter. C'est compliqué. Là, c'est affaire trop compliqué. Prochainement, il y aura les premiers. Penses-tu? Prendre le Primus d'or cette année. Primus d'or, non. Il y a du chemin à faire, un peu. Mm. Voilà, il faut être pas ambitieux, bien. Mais c'est pas le moment. Lui, il a l'habitude de ne pas être ambitieux, j'ai l'impression. Ah. Il y a du chemin à faire. Tu peux dire oui, ça va. Elle a dit prochainement. Oui, prochainement. Dans quelques mois. Oui, mais alors, dans quelques mois, qu'est-ce que c'est mollo. Bon, par exemple, ton titre que tu as été sorti, par exemple, là, ça peut tuer tout le monde. Pourquoi tu n'es pas ambitieux? Il a peur. Alors, mollo. Il a peur. Quand tu sais où tu vas, tu n'es pas précis. On n'est pas pressé, papa. Ah, ok. Voilà. Donc, les gens sont devant vous. Les gens sont en train de courir devant vous, là. Faut pas être pressé, faut attendre. Ou même, vous n'êtes plus courir, les gens sont en train de prendre pour courir encore, mais dessus. N'est pas pressé. Non, courir tout le monde. Alors, notre mission va bientôt tirer à sa fin. Alors, Abel le Superman, quel est ton message pour tes fans, pour les gens qui t'apprécient, ceux qui te suivent depuis les quatre coins du monde? Quel est le message que tu peux pouvoir porter à leur attention? Abonnez derrière moi, abonnez derrière nous. Voilà, merci de donner la force, de toujours soutenir Abel le Superman. Merci de pousser au sommet la nouvelle musique de Biama, le coupé décalé moderne qui a été bien marché. Voilà. Donc tout le monde aura venu à faire ça ensemble. c'est le message même qui est là même. Ok. Voilà. Alors Yumi, notre émission tire à sa fin. Bien évidemment. C'est un véritable plaisir d'avoir reçu Abel le Superman dans une interview trash clash. Il a tout dit, il n'a rien. Sans langue de bois. Sans langue de bois. Alors big up à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Merci, que Dieu vous bénisse et surtout à la prochaine édition du Fafa. Restez connectés, on est ensemble.